Pour la première fois depuis 10 ans, un avion français privé s'est posé à Bagdad. Il s'agit d'un vol humanitaire qui transportait une 60aine de personnes, dont des médecins et quelques sportifs. Pendant ce voyage qui doit durer 3 jours, une 30aine de médecins et de chirurgiens devraient assister leurs collègues dans les hôpitaux de Bagdad. Réaction à Washington. Pour Washington, il s'agit d'une violation du régime des sanctions de l'ONU contre l'Irak.